Alors, maintenant, écoutez-moi. J'aimerais choquer la francophonie. Tous nous prêchons sur Apocalypse 2 et j'ai vu beaucoup de prédicateurs prêcher cela avec excellence. Je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, Dieu me dit de vous dire. Mais ce qu'il a contre vous, vous avez abandonné votre premier amour. C'est un bon message, n'est-ce pas? Mais il n'est pas correctement complété. Parce qu'à vrai dire, après qu'on t'ait dit que la quantité d'amour que tu as pour Dieu n'est pas semblable à celle qui était au commencement. On vient, on prie. Maintenant, comment tu vas combler l'autre quantité manquante? On crée l'amour comment? Si je veux du chocolat chaud, je mets du lait et du chocolat. Je fais du chocolat chaud. Bon, maintenant, si je veux créer l'amour, on crée l'amour comment? Bon, ton amour de début était à 90%. Ton amour d'aujourd'hui est à 20%. Comment rajouter cet amour-là? En faisant des œuvres? Non, parce que j'ai vu dire, je connais tes œuvres. Le problème, ce ne sont pas les œuvres. Oh non, tu dois revenir à l'église comme tu venais. Tu n'aimes plus Dieu. Est-ce que l'amour pour Dieu est déterminé par le nombre de fois qu'on vient à l'église? Les sorciers aussi viennent détruire l'église en venant plus d'ailleurs tous les jours plus que ceux qui ne prient. Vous allez voir les thèmes. Aimer Jésus. Comment aimer Jésus? Aimer Jésus, mes frères. Aimer Jésus, mes soeurs. Et beaucoup de chrétiens, après ces messages, sont dépressifs. C'est vrai. Après ces messages, sont culpabilisés. Et on le dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Frère, tu n'aimes plus Dieu. Vous n'aimez plus Dieu. Et les chrétiens sont là. Ils se culpabilisent. Comment aimer Dieu? Comment grandir l'amour? Comment on fait pour aimer Dieu? L'amour est mesuré sur quoi? C'est par ce que je ressens ou par ce que je ne ressens pas. Même nous qui aimons Dieu, il y a des jours où tu n'as pas envie de prier. Il y a même des jours où tu as envie d'inviter Satan à te faire tomber. Satan, ma maman bonne dans la radio présent. Pourquoi il y a tes bonnes années? Dans les 365 jours de l'année, il y a un jour où le fou en nous se révèle. Alors, on aime Dieu comment? Mon premier amour, je vais aimer Dieu. Et le prédicateur vous prêche. Aimer Dieu, aimer Jésus, aimer Dieu. Mais comment créer l'amour? Comment je peux créer ce sentiment? Revenir à ton premier amour. Maintenant, quand tu regardes comment tu aimais Dieu, je dis c'était par rapport à quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Commençons par le commencement. L'apôtre Jean dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est la montagne de transfiguration. Celui qui a emmené la loi, il est descendu de la montagne. 3000 juifs sont morts. Celui qui a emmené la grâce, le jour de la Pentecôte, 3000 juifs ont été sauvés. Celui qui a emmené la loi, Dieu lui a dit, enlève tes sandales, parce que la terre où tu te tiens est sainte. Mais celui qui a emmené la grâce, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Celui qui a emmené la loi a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais celui qui a emmené la grâce, on l'a emmené une femme adultère. Jésus a dit, qu'est-ce qu'on vous dit de la loi? Et chacun d'entre eux était quelque part bloqué par un commandement qu'il ne respectait pas. La loi disait, maintenant Jésus a dit, moi je te dis, va, mais ne pêche plus. La loi a un message, mais la grâce aussi a un message. La loi n'avait pas de prière. Vous avez déjà remarqué, sous la loi, il n'y avait que ce que Dieu te commandait de faire. Dieu t'ordonnait de faire. Sabbat, pas d'idolâtrie. Tu feras ça. Tu ne feras pas ça. Tu feras ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras ça. Tu ne feras pas ça. En d'autres termes, le curseur qu'on prend un ordinateur était placé sur l'homme, sur sa capacité à lui d'obéir à Dieu en respectant tous les 10 commandements. Et vous connaissez de la Bible, tu pouvais respecter 9, mais si tu faillissais dans un seul, tout le reste était annulé. Pourquoi il n'y avait pas de prière sous la loi? Parce que Dieu avait fait de la loi un pédagogue. La loi était venue pour coincer l'homme. La loi était venue pour coincer l'homme dans sa capacité de plaire à Dieu. Dieu avait tout fait parce qu'il voulait introduire Jésus. Il a dit, il faut que l'humanité comprenne qu'il ne peut pas me plaire parce que lui fait pour moi. Donc, 10 commandements, Dieu sait que personne ne va respecter ça. Il donne 300 autres lois, Dieu sait qu'ils vont faillir. Oui, c'est un enseignant. Dieu voulait montrer aux hommes que tout ce que vous allez faire pour me plaire, ça ne va pas satisfaire ma volonté. Et non seulement cela, mais en même temps ne va pas vous rendre juste devant moi. Voilà pourquoi même sous la loi, Dieu avait des choses qu'il faisait entrer en scène pour donner une image de la grâce. C'était des hommes ou des femmes, c'était des meubles ou des mobiliers, c'était des événements, c'était des histoires. Par exemple, l'agneau. L'agneau montrait simplement que personne ne peut aller mourir pour que son sang sauve tout Israël. C'est un autre qui mourait à la place du peuple et son sang purifié. Par exemple, Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, elles sont entrées sous la lignée du Messie pour révéler que ça ne dépendra pas bientôt de vous. Mais j'ai quelque chose de parfait à vous révéler. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu n'as plus ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Écoutez, parce que dans le livre, il est question de moi. L'histoire de Joseph, ça parlait de Jésus. L'histoire de David, de Jésus. L'agneau pascal, de Jésus. Le fil de cramoisi, ça parlait de Jésus. Tous ces récits-là, il était question de moi. Mais maintenant, moi-même, je viens pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas te plaire, toi. Et Jésus a tout
tout fait pour plaire au Père, afin que nous n'ayons plus à faire des choses pour plaire au Père, mais nous soyons à reconnaître et à croire en ce que lui il a fait, et sur base de ce que lui il a fait, nous puissions avoir maintenant la capacité de produire des bonnes œuvres qui n'émanent pas de nos efforts, mais qui émanent de la connaissance que nous savons de ce que lui a fait. Voilà pourquoi prêcher le message, aimer Dieu, c'est pas la grâce. Aimer Dieu. Après, quelqu'un s'est dit, comment on l'aime? Aimer Dieu, frère, Jésus revient. Aimer Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pas le Nouveau Testament. C'est écrit dans le Nouveau Testament parce que Jésus parlait à un docteur de la loi qui demandait le résumé de la loi. Et il répond par ces versets et Jésus insiste. C'est ça le résumé de la loi et des prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas appelés à aimer Dieu. Nous ne sommes pas appelés à aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. C'est pas l'Évangile. Tu te réveilles pas le matin en te disant, je veux aimer Dieu, je veux aimer ma femme comme je m'aime, aimer mes frères et soeurs. C'est pas la Bible. Ça, c'est la loi. C'est l'homme qui va fournir des efforts. C'est la religion. C'est la loi. Tu vas aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Ça, c'est le commandement de Moïse. Alors, tu vas aimer Dieu comme ton premier amour. Bon, premièrement, Dieu est plus âgé que toi. Deuxièmement, qui a commencé à aimer qui le premier? Qui a commencé à aimer qui en premier? Donc, en premier là, ce n'est pas toi qui a commencé à aimer Dieu. Il est écrit, nous l'aimons parce que lui. Donc, ce n'est pas d'abord le fait que j'aime Dieu, mais c'est le fait que je connaisse. Que c'est d'abord Dieu qui m'a aimé en premier. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Dans la grâce, on n'aime pas Dieu. Dans la grâce, on reconnaît d'abord que c'est lui qui m'aime. Et parce qu'il m'aime, je l'aime alors. Écoutez ce verset. Nous l'aimons parce qu'il nous... Parce que, conséquence, parce que nous l'aimons, pas parce que nous faisons des efforts, mais parce qu'on sait que lui, il nous a déjà aimés. Donc, mon amour pour Dieu est la réaction de son amour. Mon amour pour Dieu n'est pas la racine. Mon amour pour Dieu est le fruit. Mon amour pour Dieu n'est pas l'action. Mon amour pour Dieu est la réaction à l'amour que je sais de lui. Si je sais que Dieu m'aime peu, je l'aimerai peu. Si je sais qu'il m'aime trop, je l'aimerai trop. Si je connais la longueur, la largeur, la profondeur de son amour, j'aimerai Dieu sans mesure. C'est comme un miroir. Quand je présente le mouchoir au miroir, il me montre le mouchoir. Quand je mets le lit, le miroir me montre le lit, n'est-ce pas? Quand je montre un stylo, le miroir me révèle un stylo. Ce que le miroir me donne n'est que le reflet de ce que je le présente. Quand tu mets devant toi un Dieu méchant, tu ne sauras pas donner le reflet de l'amour pour Dieu. Mais quand tu mets devant toi l'infini amour de Dieu, l'amour que tu vas donner à Dieu, voilà pourquoi dire aux gens de laisser le péché, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui prêche plus que cette prédication. Quand tu réalises combien Dieu t'aime, il t'a pardonné, tu avais avorté. Il a même renouvelé ses promesses. Tu étais tombé, il t'a relevé. Quand tu réalises cet amour, parce qu'il m'aime comme ça, je laisserai telle chose. Je laisserai telle chose. Je laisserai telle chose. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Sous la loi, on force à aimer Dieu. Mais sous la grâce, on a la connaissance de son amour. C'est cette révélation qui crée en nous l'amour. En quoi consiste l'amour de Dieu? On sait que quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Elle a été donnée comme victime expiatoire.